Là, il y a du monde ce matin. C'est pour le 20 tours. Allez, je vous montre. Suivez-moi. Allez, tout d'abord, bienvenue en Normandie. Regardez ce beau ciel bleu normand. On est pas mal là, hein? Bon, d'accord, c'est pas souvent. On peut en profiter. Mais voilà, ça arrive de temps en temps. Allez, on monte à bord. Bienvenue à bord de ce Renault Trafic LH1 de 2014. Nous l'avons acheté il y a maintenant 4 ans pour à peu près 8 500 €. Révision faite, pneus changés, amortisseurs neufs, freins refaits aussi. Pour 157 000 km, aujourd'hui il y en a 172 000, il tourne comme une horloge. Ça nous semblait à l'époque un bon compromis parce que le moteur était réputé. Aujourd'hui, la consommation de gasoil, c'est à peu près 7 litres. Il ne bouffe pas, il ne perd même pas d'huile, donc franchement, pas mécontent de cet achat. Alors, pour la petite histoire, au début, on ne se sentait pas du tout capable d'aménager un van. On avait un budget de 12 000 € et on cherchait un T3, un T4 d'occasion, mais déjà à l'époque, c'était très compliqué. Pour 12 000 €, on ne trouvait rien qui nous satisfaisait ou alors à des kilométrages complètement exorbitants. Et personnellement, voilà, c'est un choix personnel. Je ne voulais pas monter dans les véhicules de 250 000, 300 000 km. Voilà, je ne voyais pas trop l'intérêt, même si évidemment, le fait d'avoir un véhicule aménagé, c'est toujours plus simple en général, mais on s'est pris au jeu, on a essayé et je vais vous montrer le résultat. C'est le con, je vous disais tout à l'heure, il fait beau en Normandie, la caméra a été posée en plein soleil sur le tableau de bord et du coup surchauffe, un peu le problème des GoPro. On a changé d'endroit, on se retrouve à l'intérieur et ce que je voulais vous dire, c'est que pour les personnes qui hésitent à se lancer dans l'aventure de l'aménagement d'un utilitaire ou de quoi que ce soit d'autre, allez-y, quoi, il y a plein de bonnes chaînes sur YouTube, plein de tutos, les gens sont bienveillants et lancez-vous dans l'aventure. On en retire plein de satisfaction, on apprend plein de choses. Allez-y, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et de toute façon, il n'y a pas d'aménagement idéal. Le principal, c'est que nous corresponde et en fonction de ce qu'on a envie de faire avec. Donc, allez-y, let's go. Pour notre aménagement, on a fait pas mal de petites recherches sur YouTube pour regarder comment étaient aménagés les vannes, ce qui se faisait chez professionnels, ce qui se faisait en kit avant de tout préfet. Et puis, on s'est aussi posé la question de notre utilité. En fait, nous on pensait essentiellement les week-ends quand il fait beau, puis pendant les vacances d'été. On arrive à pousser un peu septembre, octobre, enfin mi-octobre vraiment au maximum. Donc on n'a pas mis de chauffage et on voulait être vraiment autonome en termes d'électricité. Avant d'aménager Hippolyte, on a tout nettoyé, tout démonté. C'était un Trafic qui servait dans une entreprise. Et il était un peu sale, hein, mais il était aussi bien protégé puisqu'il y avait du contreplaqué et surtout un sol. Donc on a enlevé tout ça, on a mis de l'antirouille partout, parce qu'il y avait un petit peu de limaille de fer un peu partout. Donc on a tout frotté et mis de l'antirouille vraiment sur le fond, sur le sol. Et après on est passé à l'isolation. On a mis du liège 4 mm sur les parois, sur le plafond. On a rajouté par-dessus du multicouche partout. Et sur le sol, on a mis de l'extrudé sur lequel on a reposé le sol d'origine qui était en bon état. Bon, le sol d'origine, on a recouvert quand même de lino pour que ce soit plus joli, mais voilà. Et je pense que pour notre utilisation, ce qui est essentiellement le week-end et l'été, ça suffit largement, savoir qu'on n'a pas de chauffage. Et parfois, au printemps, même parfois en été, si on monte un peu en altitude, les nuits peuvent être fraîches. On garde un peu plus longtemps la chaleur. Alors, petite chose à penser aussi avant de commencer ce qui est travail d'isolation, c'est faire les ventilations basses et hautes. Couper un petit peu la tôle avec des gabarits, ça se fait bien, faut pas avoir peur et puis je pense que c'est important. Ah, ce qu'il faut pas faire quand même. Pas belle la Normandie? Allez, donc pour l'électricité, on voulait être autonome, donc on a mis un panneau de 130 watts sur le toit, un coupleur séparateur Sirix qui alimente une batterie de 95 ampères-heure et avec ça on est autonome. On a complètement squeezé le fait de pouvoir brancher en extérieur en 220 dans les campings. Voilà. Ça ne nous pose aucun problème par rapport à l'utilisation qu'on fait d'électricité. Allez, je vous retrouve à l'intérieur, je vous montre tout ça. Donc le coupleur séparateur installé directement dans le compartiment de la batterie. Le tout raccordé directement dans le boîtier électrique qui se situe derrière le siège
Conducteur, on allume. Pour tout ce qui est éclairage, on a un ruban LED qui fait tout le tour du camion. Petite veilleuse. Donc au niveau des prises, j'ai mis deux blocs de ce type là avec deux USB, une allume-cigare de chaque côté. Pareil de ce côté là. Et une pompe à eau électrique. Pour l'aménagement intérieur, on est parti sur l'idée qu'on pouvait rentrer et sortir soit par la porte latérale, soit par la porte arrière. Le point le plus important qui prend plus de place, c'était le lit. Donc on a réalisé un lit peigne d'1m90 sur 120 de large, parce que je mesure 1m83, donc dormir en largeur, c'était simplement impossible. Du coup, une armoire dans le fond, et on a fait un grand meuble qui inclut des rangements, un petit lavabo et le frigo. Donc là, vous avez notre petite entre guillemets armoire avec les rangements pour madame, les rangements pour monsieur. Alors j'ai rajouté aussi trois petites étagères. Le lit peigne, deux tiroirs qui font toute la longueur, permet de ranger les courses, d'avoir accès aussi facilement de l'extérieur. Après avoir vu l'intérieur, aussi la partie extérieure, avec l'accès aux deux bidons de 10 litres, et là, le petit rangement aussi à l'extérieur, avec ranger tout ce qui est ustensiles, la réserve pour 10 litres. Des bouteilles de gaz de secours important. Alors pour la cuisine, c'est tout simple, on a le petit camping gaz. On est à l'intérieur, le trois quarts du temps on est dehors avec le van. On a la petite tablette. On installe le camping gaz à l'extérieur et on cuisine dehors et c'est carrément plus pratique et nous c'est ce qu'on cherchait. Maintenant que vous avez vu la configuration jour, je vous montre la configuration nuit et je vous montre comment j'installe le lit peigne. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, configuration nuit. Ça va assez vite et c'est assez simple. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'objectif était d'être autonome en électricité. Ça c'est gagné. En eau, on a une réserve de 30 litres plus 10 litres pour la douche. Ça nous permet de tenir 2 à 3 jours sans problème en bivouac. Quand nous sommes dans les campings, bien sûr, nous ne prenons pas d'électricité. Et par contre, nous installons notre tente Décathlon, une grande tente dans laquelle on peut mettre la table, poser plus facilement nos affaires et à la tempérie, c'est quand même plus confortable de manger à l'intérieur de cette tente et puis de pouvoir se mettre debout, beaucoup plus de mobilité. Comme le véhicule n'est pas homologué VSP, ça reste un utilitaire sur la carte grise, donc c'est contrôle anti-pollution tous les ans, contrôle technique tous les deux ans. Je me suis arrangé pour que les meubles soient démontables, j'ai juste 4 vis à enlever et j'enlève tous les meubles. Par contre, je me suis attaché à bien respecter tout ce qui était normes électriques et normes de ventilation. Et nous avons acheté en plus ce petit extincteur qui, on ne sait jamais, j'espère qu'il ne servira jamais, mais c'est quand même plus prudent. Je vous ai parlé au début que vous trouvez plein de tutos sur YouTube et moi je voudrais vous conseiller et remercier la Félix de la chaîne du chat qui vole. Je la mettrai en description. C'est une chaîne très bien faite, de très beaux conseils de sa part, avec beaucoup d'humour et en plus il a sorti une petite revue. Alors, je lui fais un petit peu plus gratuite, j'espère qu'il n'en voudra pas. Il a sorti une petite revue qui s'appelle J'aménage mon van. Hippolyte est en photo dedans d'ailleurs. Et voilà, merci à lui. Et puis merci à toutes les personnes qui sont de vos conseils sur YouTube. Parce que franchement, on arrive à s'en sortir, même en n'étant pas spécialement un bon bricoleur. Voilà, ce van tour est fini. Si vous voulez poser des questions en commentaire, n'hésitez pas. J'y répondrai en fonction de mes compétences, bien sûr. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas aussi à commenter et à vous abonner si ça vous intéresse. Vous retrouvez sur cette chaîne toutes nos vidéos
de voyage, de week-end. Allez, à bientôt peut-être. Salut.